For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Voilà, deuxième série, je commence déjà à souffrir, wesh. En plus, j'avoue, ce matin, je me suis fait deux petites tartines avec de la pâte à tartiner. Pas du Nutella, hein, du chocolat, mais... Regarde, tu as 17 grammes, 6,7. Est-ce que c'est lié? Je sais pas. C'est la même que toi, hein. J'ai pas assuré, j'ai vraiment pas assuré. Juste petite parenthèse, demain ce sera un jour de repos avec stretching si je dis pas de bêtises. Mais du coup fuck, demain ce sera pas jour de repos, demain je refais la même chose qu'aujourd'hui. Parce que là j'ai pas réussi et je suis pas du tout fier. Donc demain, jour de repos pas mérité, donc je ferai, voilà. Sachant qu'en plus demain j'irai à la piscine, etc. Enfin bref, en fait demain ça va pas du tout être un jour de repos, je vais bien morfler. Voilà. Ce manque de motivation, en tout cas ce qui s'est passé ce matin, je sais pas c'est pour quelle raison. Mais j'ai trois potentielles hypothèses. La première, ce serait tout simplement que je me suis habitué, certes sur trois jours, mais habitué à avoir fait du sport à deux. Peut-être que maintenant, le fait de me retrouver de nouveau seul, eh ben ça m'a rendu tout flingada. Peut-être, je sais pas. Deuxième hypothèse, parce que ça pourrait coller aussi, quand j'ai commencé du coup ce programme, en grande majorité, le matin, je déjeunais du pain avec du fromage, puisque c'était ce qu'Enzo m'avait recommandé. Et du coup, j'ai un peu regardé, encore une fois, les protéines pour le fromage. C'est sympa, tu vois, au niveau de ce que ça apporte. Or, ce matin, tout comme un précédent matin, je sais plus lequel, mais j'étais aussi un peu flagada, je crois, et ben, je déjeunais du pain avec de la pâte à tartiner au chocolat. Pas Nutella, hein, mais vraiment chocolat, Super U. J'ai regardé qu'en termes de protéines, ça rapporte la moitié de ce que me rapporte du fromage. Alors, est-ce que c'est lié? Je sais pas. Troisième hypothèse. Ça me fait... Parce que j'ai une petite crainte, là. J'ai la crainte que... en fait, le programme philosophie de 30 jours, évidemment, ne garantit pas une transformation physique incroyable. Enzo nous l'a déjà dit. Qu'en 30 jours, tu peux pas avoir les résultats que t'as, comme il l'a dit, en 10 ans, par exemple. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que, en fait, d'un côté, je suis, encore une fois, trop content de suivre ce programme, parce que dans tous les cas, il m'aura servi à quelque chose. Alors que ça fait que 2 semaines, et pas 4 semaines encore. Mais il m'aura déjà servi à quelque chose. Déjà, tout simplement essayer de croire en moi, mais aussi se motiver et surtout mon cardio qui s'est, je trouve, quand même grandement amélioré en très peu de temps. Hein. Je n'aime pas courir et puis d'un coup, j'aime bien courir. Tu vois, c'est-à-dire que là, par contre, autant je suis pas motivé à travailler mes bras et le haut du corps, alors que pourtant, c'est ma motivation principale. Hein. C'est ça qui m'a fait contacter Enzo. Bah finalement, là, je pourrais très bien courir, par contre. Mais du coup, ce qui me fait peur, en fait, c'est de ne pas avoir cette... quand même cette petite transformation que j'aimerais bien. C'est-à-dire vraiment tout bêtement voir un petit peu mes muscles s'agrandir. Je veux bien essayer de me donner à fond. Le problème c'est que ben, si derrière mon métabolisme il me fait ça, tu vois, genre vraiment ça me casse les couilles parce que je fais des efforts et à côté de ça, bah en fait c'est comme s'il se passait rien. Même si au fond de moi je ressens le progrès parce que j'arrive par exemple à faire plus de trucs qu'avant. Ok, mais physiquement, bah, ça ne ressort pas. Enfin, en tout cas, j'ai peur que ça ne ressorte pas assez, suffisamment, à la fin du programme. Et c'est peut-être quelque chose qui joue aussi sur ma démotivation, parce que moi, en fait, ce qui m'emmerde aussi, c'est que j'ai un cerveau. Mon métabolisme est pourri, mais mon cerveau, il est tout aussi pourri que mon métabolisme. C'est-à-dire que mon cerveau, si je me fais chier 10 secondes, si je pense pas à quelque chose pendant 10 secondes, je vais forcément broyer du noir, tu vois, assez facilement. Donc, ouais, donc forcément, quand tu fais des squats... et que ben, je pense à rien en faisant les squats, ben, je vais forcément penser, je sais pas moi, à quelqu'un qui a un bon cul et que du coup quelqu'un d'autre va aller voir ailleurs, etc. Bon bref, enfin voilà, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir et ça donne pas trop envie de continuer. Et c'est ça ce qui me fait vraiment chier. Évidemment je vais continuer, mais je veux dire, en tout cas mes phases de démotivation, c'est peut-être aussi lié à ça. Donc je sais pas, c'est mes trois hypothèses. Normalement aujourd'hui je suis censé être en repos et faire du stretching. Mais du coup, comme je vous l'ai dit hier, j'étais vraiment pas fier de ce que j'ai fait. Du coup, jour de repos, nique sa mère. Attendez, c'était pas prévu. Je viens de passer à côté de ça. Let's go, let's go. Ah.
faire sur la pointe des pieds aussi. J'ai envie de me faire souffrir aujourd'hui, je vous le dis. Ouais. Regarde Enzo, cette stabilité. Caca. N'oubliez pas le pouce bleu les amis, et le plus important, si vous voulez vous mettre au sport, eh ben n'hésitez pas, voilà. Faites comme moi, donnez-vous un coup de pied au cul, c'est agréable quand même. Oh regardez comme c'est mignon, un petit cœur dessiné sur cet arbre, waouh. Tant d'amour dans ce monde. Je crois que je vais avoir vraiment du mal à me développer à ce niveau-là, mais bon. Voilà, du coup, je viens de courir. J'ai couru combien de temps? Attends, tranquille, hein, j'ai pas couru énormément, qu'on soit bien d'accord. On dirait pas, hein. Mais non. Alors oui, c'est pas beaucoup, hein, je suis même pas essoufflé de ouf, vous inquiétez pas. J'ai couru 10 minutes, je m'en suis pas rendu compte. En fait, je croyais que ça faisait 5 minutes que je courais, mais en fait, j'ai couru 10 minutes. Oh, ça, c'est stylé de ouf. Oh c'est bon ça. J'ai ce fameux problème de pas me tenir droit. Alors quand je prends sur moi, tu vois là je me tiens droit tu vois. Mais je trouve pas ça naturel. Et beaucoup trouvent pas ça naturel quand je me tiens droit. Je suis souvent comme ça tu vois. Bon là j'exagère un peu le trait. Des exercices tout cons qui permettent un petit peu de renforcer et de retonifier en fait le dos. Ça c'est un truc que je comprends pas et là j'ai besoin d'aide aussi Enzo. Faudra qu'on fasse le point. Niveau endurance quand je cours, grâce au programme, j'explose tout. J'arrive à tenir. Et au pire, si j'arrive pas, après je suis fatigué. Pourquoi quand je fais des efforts musculaires au niveau des bras, des pecs, du dos, j'ai après instantanément la tête qui tourne? Je suis fragile frère ou quoi? J'ai la tête qui tourne, je suis à ça de vouloir vomir. Et je suis à ça de m'évanouir. Genre, tu sais, je vois des étoiles et tout. Oh, le titre de la vidéo, là, ça va être « Je vais m'évanouir ». Alors, on peut faire vers le bas. Tac. On peut faire vers le haut. Si je suis toujours aussi flasque, là par contre, Enzouille, j'aurais besoin de tabouille.
j'ai jamais autant bien fait ce qu'il fallait faire. Bonsoir. Alors là, en fait, elle pense que je suis au bout de ma vie, hein. Elle est tout devant là-bas. Ah, moi j'adore tes tétés. Donc là, elle pense que je suis à la traîne, que je suis au bout de ma vie, ce qui est complètement vrai. Bah, on va lui prouver le contraire. Je vais la rattraper. Objectif en 20 secondes chrono. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, arrête, c'est bon, te casse pas la gueule, s'il te plaît. Yes. Coucou. On est 4 jours. Samedi, on est dimanche. Dimanche déjà pour commencer. Je sais pas par où. Je sais pas où on va. Si, si, c'est bien. Aïe. Je suis au bout de ma vie à parler. Voilà. Allez, dépêche-toi. C'est comme ça qu'on motive. Les quelques jours que je suis avec lui, je suis hyper motivée. Attends. Là, j'avais une minute. Et casse-toi. Voilà, vous ne voyez pas ses fesses. 2. Oh, sa mère! Qu'est-ce qui se passe? 6. Ça fait 14 au total. J'ai dit que j'en ferais 22. Ouais. J'ai dit ça pour rigoler, vas-y, je vais essayer. Ben vas-y, hein. Ouais. Nice, t'es chaude. Mais du coup, fais alors les, voilà, fais l'exercice qu'Enzo me dit de faire et que du coup c'est pour ça que je l'ai fait et je pense que ça marche. Quand tu fais que le de se soulever d'abord. Que le soulever. Ouais. C'est le truc que j'arrive le moins. Mais justement, mais c'est pour ça et après tu grow up. Genre vraiment tu mets tes bras le plus. Vas-y, mets tes bras déjà. En plus, t'as la bonne taille pour. Voilà, et puis là, juste tu te soulèves, et une fois que t'es en haut, après tu relâches tranquille. Voilà, et là tu relâches, et après tu refais. Les singes de Papouasie sont des espèces très. Ah, yes. Je crois que ça résume parfaitement la séance d'aujourd'hui aussi. Je sais pas si c'est mental, hein, mais j'ai vraiment l'impression que mon corps, en fait, il ne suit pas. Je n'arrive pas à progresser, je n'arrive pas, tu vois, je suis bloqué là. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow than stuff for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record.